Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le Game Boy. Et oui, ce n'est pas sur Pokémon aujourd'hui, mais sur Golden Zen. Alors, Golden Zen, c'est un jeu que j'ai adoré aussi de jouer à l'époque, surtout sur la Nintendo Advance. Je le jouais assez souvent et je me suis dit, pourquoi pas vous ramener aussi du Golden Zen à part, enfin à côté de Pokémon. Pokémon on va continuer aussi, ne vous inquiétez pas. Mais là aujourd'hui on va partir sur Golden Zen. Alors, on va laisser les noms je pense comme c'est, World, etc, etc. On va pas se nommer Elpa, machin, parce que sinon après, voilà, on va trop loin. On va rester sur World. World, réveille-toi. Réveille-toi vite. Le rocher du mont Alpha risque de tomber. Alors Golden Zen, c'est un truc génial les gars, franchement. Ils devront s'enfuir. C'est comme Zelda sauf amélioré, tu vois. T'as oublié quelque chose. Attrape. Ouais, on a aussi de la magie les gars. As-tu tout ce que tu as besoin? Je crois que oui, je sais pas. Padra, vite, le rocher va tomber d'un moment à l'autre. On commence tout de suite avec une catastrophe. Ce jeu-là, je l'ai joué à l'époque, mais je me rappelle plus vraiment exactement des trucs. Alors Kai, ça doit être le père de Wald. Seront-ils capables d'arrêter le rocher? Je ne crois pas. Pas longtemps en tout cas. Réfugiez-vous sur la grande place. Ok, j'arrête avec mes conneries. Tu ne viens pas? Je vais aider à évacuer les autres villageois. Je vais t'aider Kai. C'est un jeu droit. Prends bien soin de Wald. Qu'est-ce qu'il y a écrit là en fait? World ou Vlad? Vlad. On va l'appeler Vlad. Je sais pas. Suffisamment grand pour y aller tout seul. Ah ouais, parce qu'on est suffisamment grand pour aller tout seul. Et si j'ai pas envie d'aller tout seul, qu'est-ce que tu me dis? Tu peux trouver ton chemin, non? Non. Non, non, non. Non. Tu es un grand garçon, Vlad. Pourquoi tu ne vas pas tout seul? Non. Non. Non, non, non. Non. Donc on est obligé. Pourquoi est-ce qu'on nous donne le choix de faire oui et non si on est obligé de mettre oui? Tu connais le chemin, va vers le sud et trouve ta place. Va vers le sud, donc on doit aller vers le bas. Et merde. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne. Oh, t'inquiète pas. Ah, on peut courir, ok, ça va. Donc on peut courir. Je crois que lui vient avec nous. Qu'est-ce que tu veux? J'essaie de sauver mes affaires. Tu pourrais peut-être arrêter tes conneries. Tu veux que j'abandonne mes affaires? Ça serait pas mal. Tu penses que je devrais laisser mes affaires pour sauver ma vie? Ouais. C'est quoi? Tu as raison. Ok, fichons le camp d'ici. Voilà, arrête à rejoindre la team. On doit aller au sud. Donc on va se bouger au sud. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Le rocher, il tombe. Comment il tombe? Je suis même pas encore arrivé au sud. Ah, ils essaient de l'arrêter avec la magie. Pourquoi il le détruit pas avec la magie? Il est trop lourd, nous n'y arrivons pas. Sans notre petite énergie, Val sera détruit. Alors Val, c'est le village, hein. Ok, cool. Ok, je cours. Voilà, par là, je peux pas aller. Magnifique. Non, c'est vrai. On doit trouver un autre chemin, c'est vrai. On passe par là, alors. Merde. On va passer par là, alors. On va passer par là. Il y a un mort. Je pense que c'est...
Quoi? Attends. Ah merde. J'aurais peut-être dû dire non. Je sais pas, bref. Oh putain, il y a encore des monstres. On va l'attaquer. Hop. Ouais. Oh putain. On a aussi une attaque psy fur et à mesure qu'après on pourra faire. Ça me rappelle un peu le jeu d'Ortex et le pas, mais bon. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut descendre de là ou est-ce qu'il y aura encore un rocher qui va nous péter les pieds? Voilà, c'est le frère. Ton frère compte sur toi, Lina. Ah, ok, Lina, c'est le frère de Pavel. Ok. Bien, allons-y. J'étais un peu concentré là, si j'étais un peu silencieux, c'est parce que j'étais concentré vraiment. Je vais voir au nord. Va vers la grande place. Maintenant, c'est au nord. Qu'est-ce qui... Oui, madame, nous cherchons quelqu'un à qui il nous reste de la psy-énergie. Vol. Enfin... Blad. Oui, j'ai vu ça. Je vais chercher de l'aide avant que Paul se noie. Vous ne pourriez pas m'aider? Oui. Lina est allée à la grande place, rattrapez-la. Ok. Let's go. Elle est partie par là. Oh les mecs, bah, il faut les attaquer les gars. Parce qu'il faut qu'on devienne plus fort. Essayez d'augmenter nos niveaux. Ici des petits merdeux. Voilà. Déjà pas mal. On va passer par là. On est où là? En fait là on est... Où est-ce que... Ok, là il n'y a plus de rochers. C'est en fait où est-ce qu'on habitait avant. On est arrivé à la grande place. Ouais, on est arrivé. Allez aider les anciens, le rocher est trop lourd pour qu'il résiste. Nous ne pouvons pas laisser le rocher raser notre village. Allons aider les anciens. Ok, donc maintenant il n'y aura pas d'aide pour le frère de Lina. Venez m'aider. Ouais, c'est pour ça que vous êtes ici, oui. Brave garçon, Lina. Peut avoir besoin d'aide. Je suis gonflé à bloc. Quoi? As-tu récupéré de l'énergie? Oui. Assez pour sauver Pavel grâce à la pierre. Kelina, dépêche-toi. Les routes peut-être bloquées par des rochers. Vous deux, guidez-les. Ok. Je sais où aller, t'inquiète. Je suis venu de là, y a pas de soucis frère. Donc, par là. On est monté par là. On est passé par là. Là c'est où est-ce qu'on habite. On est descendu de là. Ah non, on n'est pas descendu de là. On est passé par là. Ouais mais bon.
pouvez pas sauter en bas tout simplement ou le faire par le pont. Bien sûr, maintenant pour enlever le Pavel de là, il a pas eu le temps pour utiliser sa truc. Le rocher maintenant est tombé. Et Pavel est parti. Ok, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? J'y vais. Va trouver de l'aide. Et où? Où est-ce que je peux aller trouver de l'aide? On me dit pas si je dois aller au sud, si je dois aller au nord, si je dois aller en haut, si je dois aller en bas. On me le dit pas. Ah, pas là, c'est pas mais. Ok, magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu non, notre force. Bien, au moins. Le deux seuls survivants. Ah ouais. C'est qui ça? Comment imaginer que le temple du sol soit si en colère? C'est un miracle que nous avons été épargnés. Ça devrait être un piège. Ah, c'est eux qui ont en fait la merde. Ok. Non, pas du tout, non, j'ai rien entendu. Ah, oh, je le savais. On a de la psy, on n'a pas de la psy. Toi, tu t'occupes de l'autre. Ouais, ils sont de la psy. Voilà, on est mort. Donc ça, c'était la psy de feu, ce que vous venez de voir. Et nous, en fait, après, on peut faire pareil. Hein. On peut avoir aussi l'attaque feu, l'attaque glace, etc., etc. Donc c'est comme le jeu Ortex El Pass, comme je suis en train de vous dire. C'est de la même façon, c'est de la même idée. C'est eux qui nous ont volé l'idée. Saison Q. Non, je rigole. C'est pratiquement ça. Voilà, Golden Sun. 3 ans plus tard. Alors, 3 ans après qu'il y a eu ça, là on a Lila, ou comment elle s'appelle? Je ne m'appelle plus. Lila, je sais pas. Aucune idée. Appelle la police. Lila ou Lille. Aucune idée. Tu n'as pas encore fini de réparer le toit. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts depuis cette tragédie-là. Il y a eu un énorme dégât partout. Hein, donc... Je pense que c'est compréhensible que tout le monde doit réparer les trucs. C'est un peu normal. Alors, qu'est-ce qu'il fait Gareth? Ah, il a appris les trucs pour bouger les... C'est pas mal. Bien, il est temps d'aller... Quoi? Temps d'y aller. Et j'allais te laisser derrière. L'accident, ouais. C'est parce que les deux. Nous étudions à aller chercher de l'aide. Bien avant qu'on en visite à Telos.
Ah, ils ont parlé les deux en même temps. T'allais dire quelque chose, non? Ah, il le dit pas. Relax, Garrett. Tu me fais la tête. Pourquoi il lui dit pas? Je comprends pas. Je veux pas en parler. Allez. Wald nous attend. Melina. Ah, Lina elle s'appelle. Je croyais Lula. Si t'es trop long, je te laisse derrière. Garrett qui allait lui dire qu'on est resté inconscient à cause de l'attaque là des deux là. Ah, nous, on a appris aussi du truc, c'est déjà pas mal. Au moins ça. Et là. Voilà. Nickel. Beau travail, Wald. Ouais, ouais, on va dire que oui, je m'en doutais. Ouais, bien sûr. On aurait pu peut-être aider ces deux rochers. C'est... Ah, le père est décédé. Ah ouais. Ah ouais, le père il est décédé, d'accord. Mais il est décédé à cause de quoi? À cause du rocher? Tu as presque 17 ans, tu ressembles énormément à Kyle lorsqu'il était jeune. Je me demande ce que la vie réserve, mon chéri. Ah ouais, il y a même le père qui est mort. Pourquoi il crie « Madame !» Bonjour Lina. Bonjour. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Hey, tout le monde sur le toit, allez, on y va. Allez, je viens de le réparer, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas se casser. Nous allons au moins Alpha. Quoi faire? Ah. Vous savez, le monde Alpha, l'origine de toute la chimie. Ok. On dirait que Tello, c'est le meilleur professeur. À quoi elle sert? Je m'ai préféré te voir grandir comme un homme ordinaire. Je suppose que vous irez quand même. Ouais. Si c'est là, ça ne veut pas changer d'avis, alors rien n'y fera. Tu es aussi têtu que ton père. Ah. Soyez prudent, madame. Garrett, non. Elle est tombée dans le trou. Oh là là. C'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure, arrêtez d'être là dans les putains de... Oh, c'était génial. Ah, elle tombe de... Elle tombe de la maison. Elle tombe du toit de la maison. C'était génial. Elle s'est pas cassé une jambe, rien. C'est tout à fait normal. Parce que les maisons, ils font que seulement 1 cm. Ok. Ah. Il est en train de rouvrir tous les putains de trucs. C'est pas vrai. Ouais, ce serait pas mal que tu descends, Garrett. Attends, on va casser le truc.
Je vais rester dessus après. Ouais, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Pelmadora. On peut partir maintenant? Ah, on a eu les deux. D'accord. Évite de rester sur les toits, ça serait pas mal. Merci. On peut partir maintenant? Bien. Alors, on s'arrête ainsi à cette vidéo. On va sauvegarder. Voilà. Et voilà le boulot. Alors, les amis, on s'arrête ainsi à cet épisode 1 de Golden Zen. Vous avez pu voir maintenant le début de ce jeu. Plus ou moins, vous avez compris de quoi il s'agit. Il y a eu cette tragédie avec ce rocher du mont Alpha qui est tombé donc à cause des autres deux qui nous ont attaqué avec Gareth. C'est-à-dire qu'eux, ils ont activé un interrupteur qui ne savait pas qu'est-ce qu'il allait se passer avec cet interrupteur-là. Et donc, on a eu cette tragédie à notre village. Et maintenant, les trois, ils sont en train d'apprendre de la psycho-énergie, c'est-à-dire ils sont en train d'apprendre les différentes attaques ou même défenses énergétiques parce qu'ils veulent devenir plus forts à cause de ça, ce qui s'est passé il y a 3 ans. Donc Lila ou Lina, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne me rappelle plus déjà, elle a perdu son frère Pavel à cause du rocher. C'est clair que c'est pas facile à surmonter cela. Et en plus, nous, Vlad, je sais pas comment le nommer, a perdu aussi son père à cause de ce rocher qui est tout simplement descendu du haut du monde Alpha. Et donc, il y a eu beaucoup de morts, faut dire ça comme ça, il y a eu des morts importants. Et je pense que les trois, ils vont aller au monde Alpha pour aller voir de Cornette ce que s'est passé vraiment. Je pense qu'ils vont aller là-bas à cause de ça. Ils n'ont pas dit ça à la mère de Vlad, je sais pas comment le dire. On aurait dû l'appeler Elpa, franchement, les gars. Et je pense qu'ils n'ont pas dit ça à la mère parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle se fasse des soucis à cause de ça, ce qu'il y a eu il y a 3 ans. Je pense qu'ils ont plus réfléchi ça comme ça. Voilà, sur ce les amis, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa. Dites-moi dans les commentaires si vous avez joué déjà ce jeu Golden Zen, si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. Dites-le-moi tout simplement en bas dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Et laissez un like, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace.